Bien, bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo avec deux étapes. Donc on va faire donc la préparation du terrain pour le gazon et ensuite la deuxième étape, bah, ça va être l'explication donc pour le semis de gazon. Allez, c'est parti. Bien, donc déjà pour commencer, donc vous pouvez voir que j'ai déjà préparé le terrain. Donc j'avais passé le motoculteur il y a 2 semaines, donc c'était principalement pour détruire la pelouse. Donc c'était plus des adventices que du gazon, donc c'est pour ça que j'avais détruit. Donc c'était aussi pour faire un super lit de semences, pour faire lever un petit peu les adventices. Donc voilà, donc ça a été fait. Ensuite, il y a début de semaine dernière, j'ai passé encore une fois le motoculteur pour repasser pour bien détruire toutes les repousses d'adventices. Donc voilà, donc maintenant principalement donc on va déjà en première chose passer la griffe sur toute la surface. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc sert principalement donc à casser les mottes si vous avez des mottes, à bien ratisser déjà, de mettre tout le terrain de niveau. Donc voilà, ça permet aussi de enlever déjà les grosses mottes et repousses de mauvaises herbes, toutes les touffes, les cailloux aussi. Donc principalement à ça à quoi ça sert donc la griffe. Donc une fois la griffe passée, donc la deuxième étape c'est tout simplement donc à passer le râteau qui est juste ici. Donc, qui sert vraiment à faire les finitions, à super bien niveler, enlever toutes les touffes et adventices qui restent et aussi les cailloux. Allez, c'est parti, on continue. Voilà donc le ratissage, donc j'ai terminé. Donc le ratissage permet tout simplement donc de remettre tout de niveau entre les fils pavés juste là et là-bas, avec la longue ligne qui est juste ici. Donc ça va vraiment permettre de tout remettre de niveau, avec aussi les pavés de l'autre côté. Donc voilà, de faire aussi bien niveler droit, de encore une fois d'enlever les adventices, hein, il y a de nouveau une brouette pleine.
enlever les cailloux. Donc voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à semer le gazon. Donc avant de semer le gazon, il faut faire très attention donc de choisir le gazon qui est adapté à votre type de sol, à votre type d'orientation avec le soleil, avec de l'ombre, une ombre avec beaucoup de soleil. Donc ici c'est vraiment une zone plein sud, donc qui est vraiment au contact au soleil toute la durée de la journée, donc c'est très important. Donc là, et après c'est aussi un peu de l'argile, mais pas beaucoup. Beaucoup, un peu de la terre sableuse, comme vous pouvez le voir juste là. Vous voyez, c'est vraiment bon. Là, il y a eu pas mal de précipitations, donc c'est assez humide, il y a de la fraîcheur, mais en été, c'est vite sec. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette année tout simplement de semer un gazon spécial pour les terrains secs étant chauds, hein, donc vraiment très ensoleillés. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette variété de graminées. Il en existe plein d'autres. Donc, voilà. Et particularité, donc je vais faire du semer avec du trèfle. Donc le trèfle permet tout simplement de capter l'azote dans l'air pour ensuite l'enrichir dans le sol grâce aux racines. Comme ça après, le gazon, la graminée, bah, pourra profiter pour avoir une bonne croissance, une bonne résistance aux maladies, résistance à l'eau, au cas de sécheresse aussi, etc. Donc bah, je ferai vraiment une association avec le trèfle. Voilà, après je vais pas mettre beaucoup hein, de trèfle, hein, c'est juste un petit peu, hein, je vais pas plus faire une prairie, c'est vraiment léger pour enrichir naturellement la graminée, donc le gazon. Voilà. Et le trèfle, ça permet aussi tout simplement de favoriser donc l'azote, comme je vous ai dit, et aussi ameublir et tout ça le sol naturellement, et ça fait aussi la concurrence avec les adventices. Voilà. Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à faire. Allez, c'est parti. Alors ce que vous venez de voir tout simplement, donc c'est le filet contre filet, donc ça consiste donc à mettre plein de semences au niveau des bordures pour vraiment que ça fasse une belle délimitation et que ça pousse correctement. Voilà. Thank you.
Alors pour le semis, n'hésitez pas à croiser et recroiser. Voilà, comme ça, c'est vraiment bien semé partout. Et une fois que vous avez fait ça, comme vous venez de le voir, c'est vraiment très important de passer le râteau pour enfouir superficiellement les graines sur 1 cm, pas plus profond non plus. Donc c'est très important d'enfouir les graines avec le râteau. Donc ça permet tout simplement, en cas de forte pluie, que les graines ruissellent sur le terrain et que de bien enfouir justement les graines sur 1 cm de profondeur, pas plus profond, voilà. C'est une chose vraiment très importante. Donc voilà, et ça favorise très très bien la germination. Donc une fois que vous avez fini de ratisser, d'enfouir superficiellement les graines, il n'y a plus qu'à passer le rouleau. Allez, c'est parti, on continue. Chose importante, le gazon se sème soit au printemps ou à l'automne. Donc au printemps, c'est de début mars jusqu'à début mai. Et à l'automne, c'est de début septembre jusqu'à fin octobre. C'est vraiment là le top idéal pour semer le gazon. Alors moi, personnellement, je préfère semer le gazon en septembre, donc à l'automne. Comme ça, durant l'hiver, il peut s'enraciner assez facilement. Comme ça, dès que l'année d'après, en cas de canicule, a déjà une bonne système racinaire pour supporter les chaleurs, hein, vu que c'est un peu l'actualité de ces derniers étés. Voilà. Et encore une chose alors, très importante, alors, le gazon, enfin les semences de gazon germent entre 15 degrés et 25 degrés. Au-delà de 25 degrés, ça sert de plus à rien de semer parce que la semence de gazon ne germe plus. Et en dessous de 15 degrés, c'est la même chose, ça ne germe pas. Donc c'est pour ça que c'est très important de semer dans ces période là où il fait entre 15 et 25 degrés, c'est là où c'est vraiment optimal pour la levée de la pelouse, donc du gazon. Voilà, voilà, j'en termine pour cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous aura plu, qu'elle vous a aidé à faire vos futures pelouses. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à partager autour de vous, faire un petit j'aime, à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine et je vais faire une vidéo au moment de la levée. Allez, ciao!